Bienvenue pour un nouveau conte. Aujourd'hui, bien mal acquis ne profite jamais. Il sera lui aussi en deux épisodes. Les concours mandarinaux. Ce sont les concours qui permettent de devenir mandarin. Un mandarin, c'est un proche du roi et qui est justement recruté sur concours. Ça veut dire que on fait un classement des meilleurs, et ce sont les meilleurs qui sont nommés mandarins. Et un mandarin, c'est un conseiller qui est lettré, ça veut dire qu'il sait lire et écrire. Nous jouirons ensemble du fruit de ton travail. Ça veut dire que nous profiterons ensemble des fruits de ton travail. Comme Tyrn donna son consentement. Ça veut dire qu'il est d'accord. Ulcéré, ça veut dire qu'il est vexé, mécontent, énervé, de manière très intense. Bouddha, c'est une divinité dans la philosophie religieuse qu'est le bouddhisme. D'ailleurs, la figure de Bouddha intervient déjà dans plusieurs contes que nous avons vus précédemment. Alors il y a un prénom, je pense que c'est Dia. Ça doit se prononcer Dia. Dia lui raconta ses déboires, ça veut dire ses mésaventures. Et voilà pour la première partie. Bien mal acquis ne profite jamais. C'est un dicton qui veut dire ce qui a été obtenu injustement, au final ne profite pas. Jadis, vivaient dans un même village deux jeunes gens du nom de Tyrn et Dia. Tous les deux orphelins et très pauvres, ils proposaient leurs services pour les labours. Tyrn était doué d'une vive intelligence. Un jour, Dir lui dit « Nous n'allons pas vivre comme cela éternellement dans la misère. Tu es intelligent. Consacre-toi aux études. Tu passeras aisément les concours mandarinaux. De mon côté, je tâcherai de peiner sur les champs afin de pourvoir à tes besoins. » Et lorsque tu seras mandarin, nous jouirons ensemble du fruit de ton travail. Comme Tyrn donna son consentement, Dia ajouta « Si tu fais belle carrière, ne m'oublie pas. » Tyrn fit de bonnes études, ce qui encouragea encore plus Dia à travailler dur pour gagner de l'argent. 10 ans passèrent. Tyrn se présenta enfin au concours. Il passa avec succès le concours intra-provincial, puis le concours suprême, où il remporta le titre de premier lauréat. Devenu un grand mandarin de la cour, comblé d'honneur et respecté de tous, il habitait un grand édifice servi par une foule de domestiques. La nouvelle remplit de joie son ancien ami Dia, qui alla rendre à son maître le buffle de labour dont il avait la garde. Dia vendit tous ses biens, acheta des offrandes et se rendit à la résidence de son ami. Mais Tyrn ne tint pas les engagements d'autrefois. Il ordonna à ses gardes d'interdire l'entrée à Dia. Ulcéré, celui-ci erra à l'aventure. Arrivé au bord d'un fleuve, il s'arrêta, déplorant son sort et se plaignant de l'ami ingrat. Soudain, arriva Bouddha, sous la forme d'un passant, qui lui demanda «
Pourquoi pleures-tu? Et dirent de lui raconter ses déboires. Bouddha désigna une barque qui apparut soudainement au bord de l'eau. Il lui dit: Reste ici. Cette barque te permettra de gagner ta vie. Dieu se fit passeur sur le fleuve. Il consacrait ses journées à conduire les passants d'un bord à l'autre du fleuve. Son modeste gain ne suffisait qu'à couvrir ses menues dépenses, alors qu'approchait le jour anniversaire de la mort de son père. Un après-midi, il conduisit ses passagers sur l'autre rive et s'apprêtait à revenir à son logis lorsqu'il entendit des appels derrière lui. Il se retourna et vit une belle jeune fille. Et la suite est pour demain. En tout cas, j'espère que la première partie vous aura donné envie de rester pour connaître la fin. Voilà, je vous l'ai annoncé hier, hein, nous sommes dans la dernière semaine du confinement. Je ne pourrai pas poster des comptes tous les jours à partir de lundi de la semaine prochaine. Mais si je sens que vous avez toujours envie que je vous raconte des histoires et que je vous lise ces contes, vous pouvez me le témoigner en vous abonnant, en mettant un pouce bleu sous la vidéo pour dire que vous l'aimez et en m'écrivant un commentaire. Et tout cela me fera comprendre qu'il est important que je vous consacre du temps et que je puisse continuer à vous faire plaisir et aussi à me faire plaisir en partageant ces contes avec vous. Je vous souhaite une très belle nuit si vous allez dormir, ou une très belle journée, et je vous dis à demain pour la suite de notre conte et savoir qui est cette mystérieuse jeune fille. À demain!